Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour un épisode de Junglathlon. Donc aujourd'hui on va jouer Alistar en jungle, donc on va passer par les maîtrises en premier, donc voilà les maîtrises, donc c'est en 0-21-9, donc je vais partir tanky avec un petit peu d'utilitaire histoire d'avoir un petit peu plus de move speed et tout ça. Et au niveau des runes, je pars vitesse d'attaque, vitesse de déplacement. Donc voilà, on va avoir un Alistar qui tank pas mal et qui avance assez vite. Donc on va passer au niveau de la game, vous me voyez. Là, je me recoiffe histoire d'être un petit peu joli. Voilà. Et on est parti. Une fois que le chargement sera terminé, donc là ils sont bataillés pour le mid, hein, c'est soit Panthéon, soit Zed, je sais pas. À mon avis, ce sera peut-être Panthéon qui va sup. Je prouve que c'est un peu plus OP. Donc en face, on a un Lee Sin jungle. Bon, je crois que j'ai joué une fois à Alistar en jungle et bah, c'est bon. Je sais faire le combo EA, mais bon, j'espère que ça va aller. Je vais faire des bons ganks quand même. Hein. Et on va vraiment partir tanky. On va partir sur botte de mobilité, Esprit d'Ancien Golem, Solari, Randouin, et tout des trucs comme ça, histoire de bien les mettre au fond en face. Et comme ils n'ont pas énormément de dégâts AP, donc ça c'est bien, on va vraiment partir sur le stuff que j'avais prévu. On va limite faire le Randouin avant le Solari, j'hésite encore. Parce qu'ils ont vraiment que Diana qui fait des dégâts magiques. Et ouais, un tout petit peu MF. Et un tout petit peu trash, mais bon, c'est pas le genre de dégâts qui vont vous one shot. Il y a vraiment que Diana qui me fait peur, on verra bien où elle en est. À mon avis, si elle commence, enfin, si elle commence à être feed, ben, je partirai sur le Solari, sinon je partirai sur le Randouin plutôt. Donc on start avec le A. On va partir comme d'hab, machette. Avec la ward. Bon, bah, ils vont double mid. Voilà. Je regarde si mon. Ah, ça va, mais Smartcasson bien mis. Bon, Alistar, il est un peu imposant comme perso. Mais c'est pas grave. Quoique double mid, ça peut pas être si mal que ça. Hein. Alors, on va voir s'ils vont être gentils. Bon, ça va, la civière va me poule. Alors, niveau dégâts, qu'est-ce que ça fait? Des dégâts magiques. Dégâts magiques. Ouais. Les dégâts physiques. Putain, c'est OP en fait l'ulti hein, de Alistar. Hein. Je sais bien que c'est un énorme buff, mais quand même. On va attendre jusqu'à 1,45. Voilà. C'est vrai qu'ils viennent me pull au moins. Putain, ils ont pas envie. Hein. Bande de retardo mid. Ouais, le swing qui déco, c'est génial. Oh putain, elle a piqué de l'XP. Putain, j'ai même pas. Elle s'excuse. On va quand même prendre une popo. Puisqu'on n'a pas eu notre niveau 2 sur le bleu. On va clear un petit peu. Histoire d'avoir notre niveau 2 quand même pour aller au bleu. Voilà. On va aller mettre notre ward comme je mets au bleu d'habitude. Par contre, juste un truc. Voilà.
Encore une popo. Bon, si je me rappelle bien, Alistar, le seul problème c'est qu'en early, vous êtes vraiment limité niveau jungle. C'est vraiment du mal à clear. Parce que en gros, on fait tout à l'auto-attaque, quoi. Voilà. Un petit E histoire de pas le dégager trop loin. J'espère que je vais quand même réussir à le tuer, le bluff. Parce que ce serait con de mourir comme ça. Voilà, quand même. Je vais pouvoir me soigner pas mal. Hein. Ça, c'est bien. Et puis, on va commencer à pouvoir aller gank. Bon, ben, on est en 4v... 4v5. Quoique. Ah non, le Lee Sin aussi est. Oh putain de merde. On va obliger de flash. Oh là 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 là. Oh mon dieu, je sens que cette game va être tellement ignoble. Je vais être au fond. De chez au fond. Ah là là. Tout ça parce que il y a des connards qui veulent pas aller support ou qui veulent pas laisser leur mid et tout ça. Je me demande combien il lui restait de vie. J'ai encore le bleu. On va essayer de venir. Oh putain. Z. Voilà, on prend le kill. On sécurise le kill surtout. On va maxer le A en premier. On récupère le farm du mid. Tu te casses, toi. Voilà. Donc ça va, on s'en sort pas mal pour le moment. Un petit kill, mais bon. La game risque d'être à sens unique. Je comprends pas c'est quoi qui faisait tous les dégâts autour de moi. On va aller aider la civière. On va faire un petit gang au bot. Allez, tu te casses et tu me laisses tranquille. Viens sous tour, viens. Donc si j'ai bien compris, ça leur fait des dégâts. Oh putain. Casse-toi, hein. Il me met au fond, le petit. Oh putain, les Zeddy. Ah non, il est vivant. Allez, non, je veux pas mourir. Oh putain, fait chier. Dommage. Bon, je vais pouvoir avoir mes bots, ça c'est cool. Puis on ira faire le red buff. Nanana 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 nanana.
tous en étourdissant. Ouais, on va quand même vachement plus vite. Mode de rien, on commence à faire quelques petits dégâts. J'ai pas envie de faire mon OZ. Hein, parce que voilà, 72 mana usé pour rien, je trouve. Allez, on clear. On se soigne. On va aller au bot. Faut que j'aimerais bien mon niveau 6, ce serait pas mal. Histoire de faire un peu plus de dégâts. Oh le con. Pas de bol. Pas de bol du tout même. Z, I hate you. Il s'envoie plein de faveurs depuis le début. Allez, tape. Hal Jalishtar. Allez, on reste pas loin. Là, je suis en colère. Oh putain, il vient de partir avec. Voilà. Là, je suis en colère. On la stite un petit peu. Voilà. Bon, ça va, on est à 2-1-1. On s'en sort pas trop mal pour le moment. Donc on va essayer de rush le... Le comment dire, l'esprit de l'ancien golem, histoire de pouvoir clear un peu plus rapidement. Parce que c'est assez fastidieux pour le moment, comme vous le voyez. Mais en espérant que le Swain va se reco, ben non, il veut pas. Il ne veut pas. On va être obligé de jouer en 4v5. On va aller au bot aussi. C'est peut-être qu'une impression, mais votre vitesse d'attaque, de déplacement n'augmente pas quand vous faites le E. Moi j'ai toujours l'impression, mais en fait pas du tout. Il y a le Yasuo qui va arriver. Je perds du temps. On va aller là, on va dire. Quand on fait le dragon. Ah putain, il vient de mettre une pink. Oh mon dieu. What? Ah c'est Yasuo, je me suis dit aussi comment ça, comment il a fait pour me taper d'aussi loin. Aïe, ah, un petit Yasuo qui fait un triplé, ça fait mal ça. Encore une fois, on a un problème au Drake. C'est à chaque fois ici que les fails se passent. Mais c'est pas vraiment un fail puisque voilà, on fallait qu'on le fasse. Après on est en 4v5, c'est pas évident. Mais bon, c'est les aléas du direct. Hein. On va aller au mid. Allez, viens.
J'ai pas voulu lui piquer le creep. C'était surtout pour me mettre devant lui pour pas qu'il prenne le Q-spell. Hein. On soit d'accord. Allez, on fait un petit peu de jungle. Putain, ouais, il le campe tellement, le pauvre Panthéon. Ah, dommage. Et voilà, encore une fois, le Yasuo qui est un peu feed, le garçon. Allez, on va essayer de prendre la tour. Complètement fail mon combo, mais c'est pas grave. Ah là là, j'ai fait n'importe quoi. On va aller au raid. Alors, on se met à 570. Papa la nanana nanana. Voilà. Oh là 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 là. GG Panthéon. Bon ça. Ah, tu veux faire du proxy. De 1, tu ne piques pas ma jungle. Putain, la vie qui m'a enlevé en un coup! What the fuck? J'ai 1800 PV, ça a fondu. Oh, les yeux, il va être déçu. GG. Ah, merde! Ça va, il joue pas mal le Pant. Je crois qu'on va partir sur le Randoin directement. Parce que la Diana, elle est un peu absente. J'ai pas encore vu, moi, depuis tantôt. Pourtant, elle est là, hein, mais bon, elle a pas vraiment d'impact. Je dirais, elle a 1-0, enfin 1-4. Donc on comprend. On garde le bleu, on va pas le donner à Z. On va aller prendre le farm ici. Voilà. On va aller faire le bleu. Sans le dégager derrière, hein, ce serait con. Alors on se met à combien? 640. Voilà. Non, ça va, il chase pas. Allez, on tue les petits mobs histoire d'avoir le 6. Allez, meurs. Enfin, avoir le 11 plutôt. Merde, j'en ai foiré. Oh putain, c'est pas vrai. Vous devez suivre.
Le truc, c'est que je fais tout le temps mon combo pour le moment. Parce que comme au début, quand je jouais à Alistar. Allez, putain, les Yasuo! Je veux tellement qu'il meure. Oh là là. Oh le pente. Allez! Allez, stun! Stun pente. Ouais. On va aller l'aider. Bon, il a pas eu le trèche. Il est là. Voilà. Ah, plus du Yasuo. M'a foutu au fond. Ça va t'en prendre. Non, mais le Lee Sin, il s'amuse, quoi. C'est con parce que si je fais un bon combo, ça peut faire masse dégâts. Hein. Ah ouais, non, on va l'aider la Sivir. Le smite à combien? 720. Allez. C'est bon, on l'a eu. Oh putain. Mais on peut rien faire, on est 4. Et dans les 4, regardez. 5 fois, 5 fois, 8 fois. Moins 5 fois, ça va. Oh, ce brain! Oh, le brain qui vient de leur mettre. Oh, j'aurais mauvais à leur place. Quoique, on a déjà gagné des parties en 4v5. Mais bon, j'avais pas vraiment Alistar, quoi. Moi, c'est plus un perso pour tanker. Là, on n'a pas les dégâts derrière, c'est un problème. La Sivir a un kill. En même temps, je lui en veux pas trop parce que 1v2, c'est pas évident, surtout avec un AD carry. Oh putain, je lui ai donné encore une fois. Casse-toi. Oh joli le... Bon, j'ai flashé pour la... Je voulais en fait le repousser vers Sivir, mais ça l'a tué. Donc au pire, c'est pas trop grave. Oh, c'est dommage quoi, la game elle partait pas mal. Mais c'est quoi pour un stuff qu'elle fait la Sivir en même temps? Ça, elle faisait genre une lame d'avarice histoire de pouvoir. Oh là là, le pauvre. Ah, la Sivir! Ouais, défonce là. Oh là 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 là. On se fait push de partout, c'est pas grave. On dirait que j'ai comme une cape solaire, quoi, c'est grave. Allez, viens. Allez, tape, tape, tape.
C'est tellement no brain ce perso, c'est trop génial, je cours après. Et j'ai plus de mana bien sûr. Je me fais chase par une Diana qui n'a pas de vie parce que je n'ai pas de mana. Mais c'est pas grave! Allez, venez hein, les autres! Casse-toi. Oh, ben bien sûr. Oh, ça m'énerve! Les autres sont complètement aveugles. Bon, en même temps, c'était pas vraiment une bonne idée de chase. Je suis d'accord, mais... Bon, perdu pour perdu, je pensais que peut-être en prenant des kills, ça pouvait être sympa. Et voilà, ils se font défoncer. Le Lucina, 7-1. Le Yasuo, 11-4. La Miss Fortune, 8-3. Ça va? Deux 7, 7-7, 2-10, en fait 4-7 je m'en sors pas trop mal. Non, je vais vivre. Putain, je suis trop lent avec le combo. Avant, j'y arrivais bien. Ok. J'ai 150 d'armure, mais il m'a one shot. Oui, normal. Je ne dirai rien. Putain, en plus, ils ont un de ces farms de merde. Putain, je suis à Lister, j'ai 72 de farm, ils en ont 110 après 25 minutes. C'est normal. T'as un soin de merde. La game est perdue donc il s'amuse. D'accord, mais bon. Moi aussi je m'amuse, vous allez me dire, parce que je pense que ben voilà, c'est un peu impossible de la gagner, puisque déjà on n'a pas de dégâts. Il joue pas très très bien non plus. Bon, je dis pas que je joue bien, hein, rien de loin de là. Allez, le Yasuo qui continue à se faire plaisir. Oh là là. Mais le pente, il est bon, hein, mais... Il n'y a pas de dégâts qui suivent derrière, quoi, c'est ça le problème. Voilà, c'est ça que je veux faire depuis tantôt. Allez, viens des sous la tour. Ouais, deux fois que je le réussis. Ta la 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 la. Ils sont un peu beaucoup. Casse-toi. Je kiffe tellement Alistar, son ulti, son E, il est tellement marrant. Son Z, pardon, pas le E. Ouais, j'ai eu le kill. Voilà. Et voilà, le doublé. Le doublé de la vachette. Et voilà. Il se donne un après l'autre, ils sont en train de se trop. Bon, je crois même que s'ils viennent à 3, ils ont gagné, mais bon.
Voilà, moi je suis en mode caisse. Je vais essayer de finir avec un score positif. Voilà. Le Yasuo, il me fait un peu peur. Hop là, on prend le grosse bille. Allez, viens. Viens. J'ai tellement envie de les buter. Oh, quel con, j'ai foiré. Reviens ici. Et voilà! Ça, c'est du teamplay. Oh putain, je le fais tout le temps, ce truc de merde. Et j'ai déjà plus de mana. On va se casser! Sinon, on va mourir. Un ennemi est légendaire. Le Lee Sin, tu m'étonnes avec le stuff qu'il a. Non. On finit. Non, mais allez. Oh mon dieu. Non! Oh putain! Ils sont mis à 4-2 sur moi. Et c'est le trèche qui me tue en plus. Allez, pente. Oh, El Melzonia. C'est dommage, c'était assez marrant comme game. Désolé de vous proposer ça, mais c'est pas de ma faute qu'il y ait que 4 personnes dans ma team, enfin soit. Pour Alistair, c'est terminé, je vais pouvoir la mettre en ligne. On va regarder ensemble rapidement. Donc le prochain, c'est un vrai jungler, Amumu. Donc ça, c'est la prochaine vidéo, donc ce sera Amumu Jungle. Donc sur cette défaite, on va se quitter. Je vous dis à très bientôt les amis, merci de m'avoir suivi. Salut à tous!